Victoire de prestige pour Beat the Retreat qui confirme sa dernière course, mais cette fois-ci dans la Princess Margaret Cup. Patrick, la façon qu'il le fait aujourd'hui, vraiment, c'est un petit champion que vous détenez à l'écurie. Oui, je dois dire que la façon qu'il le fait, il nous fait vraiment très très plaisir. Mais je dois dire que personnellement, et il m'a ramené moi, on s'attendait à cette victoire-là. On se disait que pour le battre aujourd'hui, il fallait être très fort par rapport au fil qu'il y avait. Hein. Je disais qu'il fallait être très fort pour nous battre. Bon, ça c'est avant les courses, on a toujours une appréhension. Anything can happen. Hein. Il peut manquer un peu le départ, il peut avoir un trafic problème, il peut avoir beaucoup de choses. Hein. Mais au fond de nous, on était très très confiants de cette course. Et la façon qu'il gagne aujourd'hui, quelles seront les prochaines étapes avec lui au fil des journées? Mais écoutez, pas vraiment. Il y a un 1500 mètres là, dans 3 semaines et on verra après. Je sais, votre question veut dire si on va aller dans la Coupe d'Or. C'est la question que nous-mêmes on se pose. Hein. Mais le problème est que je ne sais pas si 1600 mètres, c'est. Je pense que c'est un spécialiste de 1400. Et on va aller dans les 1500 mètres dans 3 semaines et on verra un peu comment il s'adapte. Non, c'est un très bon cheval, il nous fait beaucoup de plaisir. Mais surtout, son attitude avant la course, comme la dernière fois quand il a gagné, c'était la même chose. Son attitude avant, c'est vraiment un cheval qui a une grande, grande classe. Il est relax, il est tranquille, il regarde, il est imposant sans faire de chichi. Vraiment, c'est un très bon cheval et Imran a monté une belle course. Il a contrôlé la course. Je dois dire qu'à 400 mètres, je savais qu'on allait gagner parce qu'il le contrôlait, il le faisait simplement. Et ce matin, vous faisiez de Avil une de vos meilleures chances de la journée. Croyez-vous en ces chances toujours, Patrick? Oui, bon, notre premier choix était Beat the Retreat et mon deuxième choix est Avil. Donc je crois qu'Avel va faire aussi une très très bonne course, évidemment c'est pas la même chose, je suis pas confiant comme avec Beat the Retreat bien sûr, mais Avel va faire une très très bonne course, il devrait être là. Merci. Je voudrais dire un petit bonjour à mon ami Robert qui est en Belgique et qui probablement nous regarde, c'est son anniversaire aujourd'hui et probablement comme Père Laval il nous a porté chance. Merci. Voilà le doublé, une possibilité pour l'écurie Patrick Mervin cet après-midi avec Avil dans la prochaine course. À vous, Jagger Rajiv.